Bonsoir les fidèles de la Chifa, j'espère que vous avez passé une très bonne fête du sacrifice du mouton. Moi aujourd'hui, cet après-midi, je suis sortie au bord du canal Saint-Martin. Le canal Saint-Martin, il est connu chez tous les Parisiens et aussi c'est un endroit préféré, surtout pour les jeunes. On peut aller se balader avec sa famille, avec ses enfants, avec ses amis, une soirée ou bien un après-midi, et surtout quand il fait beau et surtout en été. Le long de ce canal Saint-Martin, on trouve des restaurants qui ont poussé comme des champignons ces derniers moments. On peut aller prendre son café ou bien prendre un sandwich comme on veut. Ce canal, c'est qui s'appelle le canal Saint-Martin. Il approvisionne les Parisiens en eau potable, en même temps voie fluviale pour transporter les marchandises au centre de Paris. Aussi, c'est un canal de navigation. Pour creuser ce canal, il a fallu 20 ans de travail, depuis 1805 jusqu'à 1825. Voilà, je vous ai raconté une petite partie de l'histoire du canal Saint-Martin. Et prochainement aussi, je vais vous raconter une petite histoire aussi qui concerne le canal de Saint-Martin. Et voilà, quand je vais décider de faire une pique-nique au bord de ce joli canal, parce que j'habite pas loin du canal Saint-Martin. J'aime beaucoup aller dans cet endroit et je vais tout le temps, je vais tous les soirées, je vais les samedis, les dimanches et surtout en été, j'y vais beaucoup. J'aime bien. Et aussi, il y a un endroit où on peut prendre des petits bateaux qui vont passer au milieu du canal pour aller faire des achats dans un magasin. Un magasin qui s'appelle Centre Millénaire. C'est très 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 joli. Quand vous prenez le bateau, vous descendez des escaliers, vous prenez le bateau et le bateau part par exemple pour une durée de même pas un quart d'heure, 10 minutes comme ça, et puis vous descendez du bateau et vous sortez comme si vous passez la douane et vous rentrez dans le magasin, faire vos marchandises, et puis vous retournez et reprendre le petit bateau. Et voilà, vous passez une très très bonne pas soirée, mais un bon après-midi en allant visiter cet endroit. Voilà, je vous ai parlé un petit peu du canal Saint-Martin.